Maintenant, on va coller les supports moteurs. Une fois collé, on installera le système et le moteur ou le générateur. Le support moteur est collé. Voilà ce que ça va donner une fois que le générateur sera mis sur son support. 0,5 mm, 0,5 mm. Voilà. On va souder la première pièce qui va faire la relation d'alternatif du générateur. Au lieu de le souder directement sur la tige affûtée, on va le souder sur une rondelle ou à fixer sur le support. Le fil électrique est soudé sur la petite rondelle et on va la mettre sur la tige affûtée. Voilà, la rondelle est écrasée entre deux écrous. Le fil soudé à la rondelle entre deux écrous bien serrés à la base. Et maintenant, on va pouvoir attaquer le deuxième fil alternatif. J'ai récupéré des lamelles dans des moteurs électriques. On va voir ce qu'on peut en tirer. Alors le but, c'est d'en fixer une ici pour qu'elle fasse contact avec le deuxième alternatif, le deuxième fil alternatif qui a touché cette plaque. Ainsi, la rotation se pourra se faire sans que le courant soit interrompu. Alors, nouveau problème. J'ai oublié de souder un câble ici, faire un trou ici pour que le contact se fasse. On va profiter qu'il y ait une trace sur le bois. On va prendre un foret, on va percer ici et on va essayer de souder sur le côté. Comme ça, on va gratter un peu la colle et on va le souder à l'état. On va faire un trou ici pour pouvoir passer le câble pour qu'il puisse ressortir à l'extérieur sur le générateur. La tige métallique sera fixée sur le manche et ici il y aura un contact. Après, bien sûr, on pourra mettre le deuxième fil. Mais pour éviter l'erreur de tout à l'heure, on va commencer d'abord à souder, à percer et à souder le deuxième fil avant de le fixer sur le manche. J'ai soudé le fil, j'ai perforé la pièce où j'ai laissé passer le fil électrique. Moralité, attention, c'est chaud. Soudez le fil sur la grande rondelle avant de coller sur la pièce en bois. Ça évitera cette bavure qui est un peu franchement dégueulasse. Mais bon, du moment que ça marche. J'ai fini aussi cette deuxième partie et la troisième partie qui est la pièce soudée
avant d'être fixé, ce qui évitera de faire une deuxième bavure. Cette pièce va être posée comme ça, fixée au centre avec deux vis à bois. Voilà. On va fixer la pièce, il ne faut pas qu'elle touche avec le deuxième fil, sinon ça ferait courju. Voilà, la pièce est posée. Ouais, ça passe pas sur la bavure. Nickel. Voilà. Ça peut faire un 360. Voilà, il y a toujours contact. Bon bah, il n'y a plus qu'à le fixer. Maintenant, on va mettre un écrou autobloquant. On va mettre un écrou. Ça, ce n'est pas un. Ça, c'en est un. On va mettre un écrou autobloquant. Ici. Et on va couper 2 mm ou 3 mm au-dessus sur la tige affûtée. Ici. Une fois la tige affûtée coupée, on va pouvoir mettre l'écrou de serrage et par-dessus. On mettra la tige métallique en contact avec la tige affûtée, qui permettra de faire la rotation et avoir du courant sans avoir pour autant de coupure. Voilà, c'est terminé. On a coupé la tige filetée à peu près 0,5 mm de l'écrou bloquant qu'on a vissé à fond avec un léger frottement. Maintenant, il va falloir mettre la petite pâte métallique dessus pour faire contact. Alors là, on voit un des deux pôles. Ça va toucher la tige qui, lui, est reliée en dessous par un deuxième fil qui tourne sur lui-même, donc pas de problème. 360 degrés, il y a toujours contact. Alors ça passe par l'intérieur de la tige métallique filetée. Ça arrive ici. Ici est relié avec un fil, et sur le côté, le deuxième fil qui a touché la grande rondelle, qui lui, et ben, il va être en contact avec ce fil qui est passé ici. Ici, vous aurez les deux fils reliés au générateur. Ici, les deux contacts. Premier contact au centre et deuxième contact à l'extérieur avec la tige légèrement tordue, appuyant sur la grande rondelle qui faisant contact. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à installer le générateur et le circuit électronique qu'on va faire, très simple à fabriquer, pour changer le courant alternatif en continu. Après, on s'occupera de la queue.